Donc là, en fait, on a un agencement, c'est ce qu'on appelle une trirépartition cellulaire. Tu as donc dans ces agrumes-là des cellules qui sont agencées de manière axiale, radiale et tangentielle. Et donc, ce ne sont pas déjà dans la forme les mêmes cellules. Biochimiquement, ce n'est pas les mêmes cellules. Ce qui fait qu'un champignon, il peut manger des cellules, par exemple, qui sont agencées de manière axiale, puis celles qui sont agencées de manière tangentielle. Biochimiquement, ce n'est pas les mêmes. Et là, lui, il ne saura pas faire. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, l'idée, c'est quand on va tailler, de pouvoir libérer les phénols et d'autres substances qui vont permettre à la plante d'empêcher les spores de champignons qui sont déjà, non, ça vient pas de l'extérieur, c'est souvent déjà à l'intérieur de la plante. Et en taillant, quand on est trop loin du ride et de la ride et de l'écorce, non, de la ride et du col de la branche, quand tu es trop loin, tu as compris qu'on déclenchait pas. Si on est trop sévère, on déclenche pas. Et dans ce cas, bah, les spores de champignons qui sont à l'intérieur, ils n'auront pas de substance pour les contrer. Et eux, ils vont manger ce qu'on appelle les matières de soutien. C'est-à-dire cellulose, la ferraille de ta maison, comme disent certains scientifiques, la lignine, c'est en par analogie les parfums de ta maison. Et en fait, ça, c'est des substances biochimiques différentes. Et tu as des champignons qui sont capables de manger les deux, il y en a qui sont capables de manger que la cellulose ou la lignine. Pour empêcher tout ça, le premier truc, c'est s'appliquer sur le coup de sécateur ou la scie. On l'a vu ensemble, on ne vient pas entamer le col de la branche et on ne vient pas entamer la ride de l'écorce. Ce sont deux zones de concentration en phénol qui nous emmènent dans l'acide réduit. Et dans l'acide réduit, bah toi qui as fait des études universitaires, tu vas décoller en apprenant ça. En fait, dans l'acide réduit, on est dans la longueur d'onde très proche des infrarouges. On n'y est pas, mais c'est dans la longueur d'onde du rouge. Et tant que la plante arrive à libérer de l'acide réduit, ça n'intéresse aucun indésirable. Ça peut intéresser des auxiliaires. Par contre, si on part dans l'alcalin oxydé parce qu'on taille mal la plante, on ne tient pas compte des angles de coupe, elle va s'alcaliniser, elle va s'oxyder. Là, on est dans la bande du violet, l'ultraviolet. Et là, tous les indésirables sont attirés par ces longueurs d'onde. On n'est pas dans les mêmes énergies, en fait. Le rouge, l'infrarouge, l'acide réduit, c'est les auxiliaires. Et le bleu, le violet, l'alcalin oxydé. Donc là, on attire ce que nous, on a appelé dans notre société très patriarcale, des pathogènes, en fait. Imaginons que je dois couper cette branche-là, ce qui est un peu une erreur maintenant, même si elle, tu vois, elle s'est soudée à l'autre, donc elles sont mariées, les deux, elles s'aiment. On va pas casser un couple. Mais là, l'idée, c'est de voir que on a ride et écorce, ride et col de la branche qui sont mêlés, tu vois. Là, on n'a plus de différenciation. Alors que là, tu as la ride, et là, tu as le col, d'accord? En dessous, c'est toujours le col, d'accord? Et dessus, là, ici, on a ce qu'on appelle une inclusion qui peut générer, c'est une fente entre deux branches. À la fourchaison, c'est une inclusion. Là, il y a la ride. Donc là, ici, je vais faire en sorte de ne pas impacter ces bourrelets que tu vois, de ne pas les toucher, mais de m'en approcher le plus possible. Et puis, un élément très important, si je venais à couper cette branche, ben, ça veut dire qu'il faut que la fonction hydrique du sol, elle fonctionne. S'il n'y a pas d'eau, l'arbre, il ne peut pas faire circuler l'eau dans ses vaisseaux, donc il ne peut pas faire circuler les métabolites secondaires, notamment les phénols qu'on a vus tout à l'heure. Donc, il y a deux solutions. Soit tu tailles quand il pleut, après une pluie, hein, bien sûr. Soit tu sais que tu vas tailler, t'arroses la veille copieusement. Voilà, et l'arbre, il arrivera à refaire son bourrelet cicatriciel. Et dans ce cas, il faudra l'accompagner par l'arrosage pour qu'il puisse faire son bourrelet cicatriciel. À savoir que les eucalyptus, les agrumes, et encore plus les conifères, et un arbre très particulier, le phyllaos que vous avez ici, ils ont une certaine lenteur à faire le bourrelet cicatriciel. Donc si c'est lent, bah, le bois, pendant ce temps-là, il se fait bouffer par des champignons. Donc, il faut que ce soit le plus rapide possible. Et tant que la fonction hydrique fonctionne, avec des ferments, là, vous faites des magnifiques ferments, tu vois. Tu viens les diluer, on verra les dilutions, 6%, tu viens arroser au sol. Et là, ça va marcher. Parce que plus il y a de, imagine, plein de petits coups de sécateur sur un arbre comme ça, c'est plein de plaies qui peuvent ne pas correspondre à la physiologie de la plante. Et là, c'est tout le système de défense de l'arbre qui est mis à mal. Tu veux, moi, je les taille plus. Et on a croisé un maraîcher, là, Raphaël Guettaz. En Suisse, un maraîcher cuisinier, bon, c'est du haut niveau, et lui, il a compris ça aussi, et plein d'autres maraîchers. Il y a Xavier Delot à Langres aussi, qui fait beaucoup de vieilles variétés de tomates. Eux, ils arrosent à la plantation, et ils ont compris que le pied de tomate, c'était un arbuste. Ils l'accompagnent un peu dans son volume pour pas qu'il s'écroule au sol, mais ils enlèvent plus les gourmands, ils pincent plus, ils ont des tomates magnifiques, ils ont plus de pathologie, plus rien. En fait, voilà, c'est une idée, hein. Après, tu fais comme tu veux, mais. J'ai vu que moi, quand j'ai fait ça pendant de nombreuses années, bah, si tu rentrais dans mes serres à l'époque, tu mettais pas un pied devant l'autre. C'était des arbustes gigantesques, mais j'avais aucun traitement à faire. Et puis en plus, cette masse foliaire,
Elles permettent de préserver une certaine hygrométrie au niveau du sol. Donc ça va limiter les arrosages, en fait. Et c'est ça, on a besoin de plus en plus. Et en Amérique du Sud, ils ont beaucoup compris ça. Les tomates, ils les laissent sous forme d'arbustes. C'est un arbuste, en fait, hein. Un arbrisseau, on va dire comme ça, mais voilà. Donc tuteurer, c'est encore un truc qui est lié au patriarcat, tout ça. On veut tout contrôler, quoi. Nous, à l'école, je pense que toi aussi, on a appelé ça des maladies. Pour moi, ça n'en est pas une, en fait. Ce que j'appelle un abandon cellulaire, en fait. Donc c'est une tache nécrotique. C'est-à-dire que quand un champignon vient attaquer une feuille, il vient libérer une enzyme qui vient dégrader la cuticule foliaire, cette couche cireuse. Donc selon les plantes, dans la cuticule, il y a des biocides, de l'acide palmitique, linoléique, indolinoléique, c'est déjà des fonctions biocides, mais ça dépend des plantes. Là, en fait, la plante, elle a réussi à se faire bouffer la cuticule, mais si tu regardes bien de près, elle a créé tout autour de l'abandon cellulaire qui est central, ce qu'on appelle dans le jargon une compartimentation cellulaire. En fait, c'est un scientifique qui s'appelle Alex Chaigo qui a enseigné ça. Et dans cette compartimentation que tu vois, la première substance qui est apparue, ce sont des phénols. Et après les phénols, la plante, elle va mettre en place un couple d'oxydoréduction, toujours le redox, hein, et elle va élaborer des substances toxiques contre l'indésirable. Mais d'abord, elle a mis des phénols en place pour être dans l'acide réduit, pour avoir ce qu'on appelle générer de l'entropie, un regain d'énergie, parce qu'il faut de l'énergie pour se battre. Si j'ai pas d'énergie, je peux pas me défendre. Donc les phénols, c'est d'abord ça. Même si c'est bactéricide, fongicide, ça n'est surtout pas que ça. Et c'est d'abord un regain d'énergie qui va permettre à la plante d'élaborer, voire même des terpènes, des chaînes carbonées, monoterpènes, sesquiterpènes, etc., pour lutter contre l'indésirable. Mais là, en fait, la plante, elle s'est défendue toute seule. J'ai pas à lutter contre. Mais on voit elle s'est battue et qu'elle a pas, parce qu'une plante, on l'avait vu hier, elle peut pas se défendre et pousser en même temps. Elle a confiné l'agresseur, mais regarde autour, c'est jaune. C'est une dépigmentation. C'est-à-dire qu'elle a du mal à reprendre sa croissance. Et pourquoi? Parce que là, elle est en déficit hydrique. On voit que les feuilles s'enroulent sur elles-mêmes. Si on mettait des mesures de tensiométrie au niveau du sol, des tensiomètres, on verrait que la plante, pardon, manque cruellement d'eau, en fait. L'eau, c'est la base de tout. Toute maladie, c'est ce que moi j'appelle la pathologie de l'eau. C'est ce qui m'a été enseigné au travers d'un physicien qui s'appelle Vinlu à Montpellier. Toute maladie est liée à une pathologie de l'eau. C'est-à-dire, soit il y a de l'eau qui monte qui est déficiente, l'eau qui descend, la sève élaborée qui est déficiente, soit l'eau au niveau intracellulaire, soit au niveau extracellulaire, mais il y a un désétat de l'eau qui vient être déficient quelque part. Et ça va générer une pathologie. Donc déjà, bien maîtriser l'eau avec les ferments, les bactéries, comme ce que vous faites de merveilleux là-bas sur le centre.